Salut à tous, c'est Baïsanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc sur GTA 5 PC, où je vais vous donner les mods que la communauté aimerait voir arriver, le plus donc sur la version PC de GTA 5. Donc c'est parti. Tout d'abord on aurait un mod donc où on pourrait tout détruire, donc les bâtiments, les véhicules, donc c'est déjà possible, mais vraiment qu'on puisse tout détruire, les bâtiments comme je l'ai dit, les murs, que les roquettes passent à travers les murs en même temps que ça détruit donc le mur en béton. Donc vraiment un mode où on pourrait tout détruire, et c'est vrai que ça serait pas mal. Ensuite donc on a un deuxième mode que les joueurs aimeraient bien voir arriver, où on pourrait s'amuser à aller explorer les fonds marins, mais pas n'importe quel fond marin, bien les abysses bien profonds, et peut-être même donc avec des mods s'amuser à rajouter des créatures, des trucs comme ça. Ça pourrait être aussi vraiment stylé. Là ensuite on va enchaîner sur un mode, la guerre des gangs. Donc un petit mode cette fois-ci où dans la ville on devrait s'affronter avec les membres du crew par exemple, pour pouvoir reprendre des parties de la ville, et ensuite on pourrait combiner ça avec le mécanisme de trafic de drogue qu'il y avait dans Chinatown Wars, et on pourrait donc s'amuser à vendre de la drogue, et ça ferait une autre dimension au jeu. Franchement je trouve que ça serait vraiment stylé. Ensuite ici on aurait le mode LSPD, donc pouvoir jouer un peu le flic dans Los Santos comme on pouvait le faire dans d'autres jeux, s'amuser par exemple quand on rentrait dans une voiture de flic, on appuyait sur la touche L3 ou R3 je crois sur PS3, ou PS2 si je dis pas de conneries. Et du coup ben, on avait le rôle d'un flic, on devait s'amuser à arrêter des gens, pareil avec les taxis et avec les pompiers. Là donc du coup un mode un peu plus poussé on va dire, mais franchement pareil, ce mode là me plairait vraiment. Ensuite ici on aurait donc un autre mode de jeu, celui-ci aussi m'intéresse vachement, donc un mode de jeu, j'arrive pas vraiment à traduire comment qu'ils ont appelé ça, un peu comme dans Dark Souls, où par exemple quand vous tuez, quand vous vous faites tuer par un joueur en mode online, bah vous perdez tout, vous perdez votre argent, vous perdez vos biens, vous perdez vos munitions, vous perdez vraiment tout, et du coup bah ça donnerait un sens dans le jeu, vraiment un effet de vrai, et du coup bah... les joueurs ne s'amuseraient plus à tuer n'importe quel joueur pour rien, au risque par la suite de tout perdre. Donc ça serait un mode un peu plus réaliste. Ensuite là on a un mode qui serait un peu plus futuriste, où on aurait par exemple donc des armes, ça serait des lasers, des pistolets lasers. On aurait des vélos qui planent et on aurait le fameux jetpack. Donc pour pouvoir s'amuser tranquillement en mode libre, ça serait vraiment stylé. Ensuite, prochain mode donc qui est déjà disponible avec le mode réalisateur, comme j'ai pu vous montrer dans la vidéo précédente, le mode sans gravité, donc pouvoir voler un peu comme sur la lune. Ça aussi, ça serait stylé de l'avoir en mode online, donc pouvoir s'amuser avec nos potes tous avec le mode gravité, comme ça je pense qu'il y a vraiment moyen de se taper des barres. Ensuite, donc ça c'est pas vraiment un mode comme on pourrait penser, mais avoir un mode Oculus Rift. Donc pouvoir utiliser l'Oculus Rift, franchement ça serait vraiment magnifique sur GTA 5, en plus la version PC qui est magnifique. Donc franchement ça serait vraiment intéressant que Rockstar se penche là-dessus et qu'on puisse l'utiliser par la suite. Et donc là ensuite on va finir avec un mode à mon avis qui va faire plaisir à plusieurs personnes. N'hésitez pas à lâcher un petit like si ce mode va vous plaire. Le mode invasion de zombies, donc ça franchement ça serait vraiment magnifique. Un peu dans le thème Red Dead Redemption. Pareil, donc Rockstar ont l'habitude de faire des jeux avec des zombies comme on a pu le voir avec le Red Dead Redemption version zombie. Pourquoi ne pas l'incorporer sur GTA 5 Online, pareil en mode bien à part, où ça serait vraiment l'apocalypse. Et voilà, donc voici les mods que la communauté aimerait voir arriver le plus rapidement possible sur GTA 5 PC. Donc ensuite c'est aux modeurs de s'amuser à réaliser ça, bonne chance à eux. Franchement, mais si quelqu'un arrive à faire des mods comme ça, ça serait vraiment magnifique. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Vous en commentaire, n'hésitez pas à nous dire quel mode vous intéresse le plus. Moi ça sera sûrement l'invasion zombie que j'aimerais bien voir arriver. Et voilà, donc moi je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.